sommes arrivés. La baie, juste là, à l'oreille de la forêt. Allez, dépêchez-vous, bande de mollusques. Le gouverneur risque de prendre le large sans qu'on ait eu le temps de lui dire bonjour. Lunaire, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais faut pas exagérer. Oh. Il nous a filé entre les doigts. Hein? Oh. Reviens, espèce de lâche! Je n'en ai pas fini avec toi! Tirez! Ils ne doivent pas s'en sortir vivants! Je viens de trouver une barque cachée derrière les roseaux. Ne perdons pas de temps. Allez, un petit effort. Une, deux. C'est bien, continuez comme ça. Ramez de toutes vos forces. Nous sommes en train de gagner du terrain. Je le vois, ce chien. Vite, redoublez d'efforts. Continuez, droit devant. Oh. Rendez-vous ou j'ouvre le feu! Est-ce que vous avez touché un de ces charognards, capitaine? Oh! Oui, vous avez tué leur guide! Oh! Oh! Quel esprit malveillant protège ce suppôt de Satan! Il compte certainement trouver refuge sur cette île, mais je jure que je lui ferai la peau avant qu'il l'atteigne. Ce n'est pas le moment de ralentir. Gardez la cadence, d'une heure. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un bateau attendait ses ordures. Nous sommes maudits. Vite, regagnons le rivage avant qu'ils ne nous mettent en charpie. Mettez le cap sur la crique. De ce côté! Le vent a tourné. Ce sont eux qui nous poursuivent maintenant. Tous aux abris! J'ai repéré une colline! Elle est parfaite d'un point de vue stratégique! Une fois tout en haut, nous les verrons arriver de loin! Allons-y, vite!
mon avis, ils resteront toute la nuit au campement et ils passeront à l'attaque au lever du soleil. Nous nous sommes bien fait avoir. Maintenant, nous sommes à la merci de ce serpent de Von Gulden. Nous sommes armés et ils ne nous auront pas aussi facilement. Dites-nous quel est votre plan, capitaine. Nous allons devoir temporiser et essayer de tenir le plus longtemps possible. Tôt ou tard, Hollander et son équipage viendront à notre rescousse. Nous pouvons compter sur leur courage et leur loyauté. Alors installons notre campement. Commençons par bâtir un rempart. Von Stiller, va chercher les plus gros rochers que tu trouveras. Je vais construire le mur. Ah, il est pas trop mal, celui-là. Vous avez fait du beau travail. À mon avis, barricadés comme nous le sommes, ils peuvent toujours courir pour nous atteindre, les petits lascars. Et puis, il faut dire qu'on s'est aménagé un joli petit nid douillet. Rome, vieille branche, tu es vraiment incroyable. Toi aussi, Doublon, je te remercie. Quand même. Feu à volonté. En plein dans mon dîner. Ils vont me le payer. Et dire que j'aurais pu éviter de faire un compliment à cet oiseau de malheur. Capitaine, on n'a plus beaucoup de temps, ils arrivent. Encore quelques secondes, et nous pourrons attaquer ces pandas. Tu m'as dit une chose gentille, et ta cervelle a fondu. Il se croit malin, le Datolo. J'ai une idée, capitaine. On a de gros rochers. On a une pente, on peut s'offrir une belle partie de quille. Joindre l'utile à l'agréable. Excellente idée. Avant de faire quoi que ce soit, il faudrait savoir à quelle distance l'île se trouve de la baie. À vue de nez, je dirais quelques milles. C'est pas la mer à boire, capitaine. Alors préparez-vous à ramer.
est chaud. Qui va là? Alerte! La lutte sera sans merci, dussions-nous périr. Ne bougez plus! Rendez les armes! Jamais! Je suis désolé, je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Doublon, il faut que je te dise avant de mourir. Tu es vraiment une sale petite teigne, mais tu es aussi un ami fidèle et un pirate hors pair. Prends soin de Rome. C'est ce qu'on appelle être fidèle, à la vie, à la mort. Reprenez-la. Vous êtes un homme juste et droit. Ce fut un honneur pour moi de croiser le fer avec vous. Adieu! Je rêve éveillé. C'est bien vous qui nous avez aidés à nous enfuir de Maracaibo. C'est exact. Jamais je n'oublierai les circonstances dans lesquelles j'ai eu l'honneur de faire votre connaissance. Et vous comptez me témoigner votre respect en me vendant à Van Gulden? Il en serait ravi, mais je vous ramène sur mon bateau, mené par mon équipage. Je reste seul commandant à bord. Vous seriez prêt à désobéir au gouverneur de Maracaibo? Loin de moi cette idée, il m'enfuirait. Non, je vous réserve un sort particulier. Hein? Je vais vous faire monter à bord et vous mettrai au fer. Mais en ce qui concerne la suite des événements, le gouverneur risque d'être surpris. Je m'étais juré de vous mettre la main au collet. Vous saurez que j'arrive toujours à mes fins. Et vous, vous saurez que les seigneurs de Vintimille n'ont jamais craint la mort. Vous n'auriez jamais dû vous mettre en travers de ma route, misérable pirate. Vous paierez pour votre outrecuidance sur le gibet. Eh bien, qu'attendez-vous pour me pendre haut et court, sale vermine? La mort de mes deux frères n'a donc pas suffi à satisfaire vos ardeurs sanguinaires? Il faut croire que non. Descendez les prisonniers dans la cale et enchaînez-les. Hein.
gouverneur, votre fille a été enlevée par des pirates de l'île de la Tortue. Est-ce qu'elle va bien? Je n'ai pas de nouvelles, mais peut-être devriez-vous envisager de l'échanger contre le corsaire noir. C'est hors de question. Je veux bien payer toutes les rançons de la Terre pour la libérer, mais je ne peux pas laisser filer ce bandit, car tant qu'il sera en vie, la mienne sera suspendue à un fil. Qu'est-ce qu'on deviendrait sans toi? Eh oh! Homme! Homme! Tu les as trouvés! Viens m'ouvrir! Alors quoi? T'es là, oui ou non? Je vous félicite, les amis. Rome et toi, vous avez fait de l'excellent travail, une fois de plus. À votre service! Oh! Retournez à vos places! Quelqu'un arrive! À terre! À terre! Vite! Je suis un homme droit, j'avais une dette envers vous et je viens l'honorer. Je ne suis pas sûr de bien comprendre où vous voulez en venir. C'est simple, vous m'avez rendu un immense service et je vous en suis redevable. Je vais donc faire ce qui est en mon pouvoir pour vous aider à mon tour. Van Gulden vous pendra à ma place. En êtes-vous conscient? Je suis au-dessus de tout soupçon. Il sait que je suis un gentilhomme et que je n'ai qu'une parole. Mais je préfère vous prévenir tout de suite. Si d'aventure nous étions amenés à croiser le fer de nouveau, ce serait en ennemi, comme l'édicte les règles de la chevalerie. Mon plus grand regret est que nous servions sous deux drapeaux différents. Hélas. Oh, décidément, vous ne cesserez jamais de m'étonner. Bon courage et que Dieu vous protège.
toute seule à chaloupe. Dépêchons-nous. Pourvu que le courroux de Van Gulden ne s'abatte pas sur ce gentilhomme.